Alors, commençons, puisque c'est aussi d'ailleurs une des catégories de rigueur que l'initiative. Donc, je voudrais remercier Jean Grondin d'avoir accepté notre invitation et d'être venu de loin, puisqu'il enseigne la philosophie à l'Université de Montréal. Jean Grondin est un spécialiste reconnu de l'herméneutique en général, de Gadamer en particulier, mais aussi un lecteur de Paul Ricoeur, auquel il a tout récemment consacré d'ailleurs un Que sais-je paru aux presses universitaires de France. Et je lui cède sans plus tarder la parole pour un exposé intitulé « Ricoeur a-t-il d'abord introduit l'herméneutique comme une variante de la phénoménologie ?» un titre qui s'inscrit tout à fait dans le projet donc de notre rencontre. Merci. Merci à vous. Très bien. Vous m'entendez bien, ça va? Tout va? Très bien. Donc, c'est pour moi un grand honneur, doublé d'une grande émotion, de participer à ce colloque qui rend hommage à notre maître à tous, Paul Ricoeur, à l'occasion de son centenaire. Alors, je suis surtout, comme vous tous, pour exprimer ma dette infinie envers l'œuvre et la personne de Paul Ricoeur, sans lequel je n'aurais jamais fait un seul pas dans le continent de l'herméneutique ou de la phénoménologie. Sans lui, je ferais probablement de la philosophie analytique ou des sciences cognitives, ou que sais-je encore. Donc je remercie les organisateurs d'avoir invité à ce colloque, à cette fête, en l'honneur du centenaire de Paul Ricoeur, en me rappelant que c'est en compagnie de Paul Ricoeur et de Catherine Goldenstein que j'ai eu l'insigne bonheur de participer au centenaire de Gadamer le 11 février 2000 à Heidelberg. Donc, merci à vous, merci à vous tous, merci à Paul Ricoeur dont l'œuvre veille sur nous, ce qui implique qu'elle puisse nous causer des insomnies. Donc si je suis ici, c'est bien sûr pour parler d'herméneutique et de celle de Paul Ricoeur, de son lien à la phénoménologie. Or, comme la plupart de ceux qui sont ici, je me rallie corps et âme à son projet d'une phénoménologie herméneutique, si bien justifié dans son décès de 1975, phénoménologie et herméneutique, et mise en pratique dans toute l'œuvre de Ricoeur. Alors, le tournant herméneutique de la phénoménologie fait partie de ma façon de penser, de mon ADN, comme on dit aujourd'hui. Et je n'ai personnellement rien à ajouter à la manière exemplaire dont Ricoeur a présenté cette nécessité du tournant herméneutique de la phénoménologie. Il est cependant deux choses qui m'ont toujours frappé dans cette insertion ricœurienne de l'herméneutique dans l'ADN de la phénoménologie, c'est que, d'une part, Ricoeur, dans le premier ouvrage où il en est parlé, Sa symbolique du mal, n'a peut-être pas seulement introduit l'herméneutique comme une variante de la phénoménologie, d'où le titre de la communication. À l'origine, l'herméneutique était un peu autre chose qu'une variante de la phénoménologie. Et c'est pourquoi je vais tenter de rappeler ici le contexte de cette première apparition de l'herméneutique dans l'œuvre de Ricoeur et montrer quels ont été les motifs, peut-être oubliés plus tard. Alors la deuxième chose qui me frappe et dont je parlerai peut-être demain, c'est qu'en traitant du tournant herméneutique de la phénoménologie, Ricoeur n'est pas beaucoup discuté de la manière dont Heidegger avait lui-même préconisé et justifié un tournant herméneutique de la phénoménologie. Alors, je ne sais pas ici à faire du Heidegger, monsieur, mais il me paraît incontestable que Heidegger est le premier auteur et le plus important avant Ricoeur à avoir défendu la nécessité d'un tournant herméneutique de la phénoménologie au paragraphe 7 de Sein und Zweck. Or, j'en rappelle brièvement le sens de ce tournant pour Heidegger. Après avoir présenté, ou fait semblant de présenter, une conception assez orthodoxe
de la phénoménologie, qui est en fait un faire voir de ce qui se montre à partir de lui-même, Heidegger se demande dans ce paragraphe 7 ce qui doit faire l'objet d'une telle mise en lumière, hein, d'une telle mise en lumière express. Alors sa réponse est provocatrice, bien connue. Ce qui doit faire l'objet d'une monstration express, dit Heidegger, c'est justement ce qui ne se montre pas, mais ce qui n'en constitue pas moins le fondement de tout ce qui se montre et lui procure sens. Or, comment faire voir ce qui ne se montre pas? Ce qui reste caché, ce qui est obstrué, parce que systématiquement oublié. La réponse de Heidegger est claire, quoique souvent mal comprise. C'est par l'herméneutique, dont il propose une conception complexe, sur laquelle je ne reviens pas ici, que s'effectue cette mise en lumière du sens caché de ce qui se montre. L'herméneutique permettrait ainsi de faire voir le phénomène des phénomènes, celui de l'être, et de l'être du Dasein, qui ne se montre pas de prime abord. Alors, ce que cette herméneutique implique, ce que ce tournant herméneutique implique, à savoir une destruction de l'histoire de l'ontologie et une nouvelle analytique ou herméneutique du Dasein, c'est ce que le reste de l'œuvre de Heidegger s'efforce de montrer. Or, ce programme herméneutique, il me semble que Ricoeur en parle assez peu. Ricoeur parle davantage du paragraphe 31-33 du Design Insight, bien sûr très très important, mais assez peu du paragraphe 7 et de son tournant herméneutique de la phénoménologie, même s'il a très très bien vu qu'il s'agissait d'une critique assez radicale de Husserl, dont Ricoeur a, bon gré mal gré, reconnu la justesse dans son propre tournant herméneutique. Donc ce qui m'intéressera ici, ce matin, c'est moins ce rapport à Heidegger et son propre tournant herméneutique de la phénoménologie que la manière dont Ricoeur en est d'abord venu à l'herméneutique avec ou sans la phénoménologie. Chose certaine, l'herméneutique ne surgit qu'assez tardivement dans l'itinéraire de Paul Ricoeur. Elle n'apparaît, nommément en tout cas, que dans le deuxième tome de sa philosophie de la volonté, paru en 1960, alors que Ricoeur était déjà âgé de 47 ans. L'herméneutique n'apparaît jamais dans le premier tome de la philosophie de la volonté, 1950, jamais, comme adjectif, comme nom, aucune occurrence. Alors 47 ans, qui est un âge relativement avancé en philosophie, âge que n'ont pas connu des géants comme Spinoza ou Nietzsche, ni bien sûr Mozart ou Schubert. Alors sa filiation intellectuelle, Ricoeur l'a lui-même décrite dans un texte très très célèbre de 1983, souvent cité, dans du texte à l'action. Ricoeur écrit « J'aimerais caractériser la tradition philosophique dont je me réclame par trois traits. Trois traits. Elle est dans la ligne d'une philosophie réflexive. Elle demeure dans la mouvance de la phénoménologie husserlienne. Et elle veut être une variante herméneutique de cette phénoménologie. Triade bien connue, qui m'a toujours frappé parce que Ricoeur ne nommait pas. Ricoeur ne nomme pas la philosophie analytique, il ne nomme pas l'existentialisme, ni le personnalisme, qui l'ont pourtant beaucoup influencé. Il nomme la philosophie réflexive, la phénoménologie, puis l'herméneutique. L'herméneutique présentée comme le troisième et dernier élément d'une triade, après la philosophie réflexive et la phénoménologie. Ricoeur présente donc l'herméneutique comme un point d'arrivée
Il est arrivé à l'âge de 47 ans. Au terme de l'itinéraire, parti de la philosophie réflexive et de la phénoménologie. Alors, je ne reviens pas ici en détail sur cet héritage de la philosophie réflexive, ni sur celui de la phénoménologie, qui sont très bien connus de vous tous. Jean Grech a parlé hier de la philosophie réflexive, telle que l'entend Ricoeur, trace visible et invisible, cette philosophie qui procède du caractère prioritaire du cogito. La philosophie est l'affaire d'un ego qui s'interroge sur lui-même et est là pour finalité de l'éclairer sur lui-même. Philosophie qui remonte au « connais-toi toi-même » de Socrate ou à la question « que je suis pour moi-même » d'Augustin. Alors c'est dans cette lignée, c'est le terme de Ricoeur, hein, la lignée, hein, de la philosophie réflexive que se situe Ricoeur, qui sait cependant, et la philosophie réflexive le faisait valoir avant lui, que le cogito est un cogito brisé, fragile, vulnérable, qui ne peut pas servir de fondement inébranlable, mais qui n'en est que d'autant plus en quête d'une juste compréhension de soi-même et de ses possibilités. Alors c'est ce moi fini, fracturé, que Ricoeur a retrouvé dans l'existentialisme de Marcel et de Jaspers et dans le personnalisme de Mounier. Mais on l'a vu, Ricoeur, dans la triade dont j'ai parlé, dont je suis parti, se réclame moins de l'existentialisme que de la phénoménologie. L'expression de Ricoeur est intéressante. « Ma pensée demeure dans la mouvance de la phénoménologie. » Donc ici, c'est moins la fidélité à Husserl qui semble compter que la mouvance de la phénoménologie, parce que Ricoeur a toujours marqué une réserve par rapport à certaines doctrines de Husserl, ce qui le fascine dans le courant phénoménologique. Non, ce n'est pas le leitmotiv husserlien d'une fondation dernière, ni le souci idéaliste d'une fondation dans l'ego constituant, ni même la méthode de la réduction ou de l'époque au sens strict. Donc, ce qui séduit Ricoeur en phénoménologie, ce sont plutôt deux choses. Ricoeur y a insisté à l'école de la phénoménologie. D'une part, l'attention stricte aux choses elles-mêmes et au vécu de la conscience, qu'il s'agit de décrire de manière non réductrice. L'expression de Ricoeur est un peu ironique, parce que Husserl parle beaucoup de réduction, mais bon, c'est deux sens assez différents de réduction, mais il s'agit de décrire les phénomènes de façon non réductrice, en suivant leurs idéotypes, description eidétique selon Ricoeur. Et deuxièmement, ce qui l'intéresse, c'est la théorie de l'intentionnalité, qui nous apprend que l'ego, loin d'être centré sur soi, est toujours conscience de quelque chose, visé de sens. L'intentionnalité révèle ainsi une conscience dirigée hors d'elle-même, et non pas repliée sur elle-même, tournée vers le sens, avant d'être pour soi dans la réflexion. Alors cette phénoménologie attentive à l'expérience du sens, Ricoeur l'a d'abord trouvée chez Husserl, mais c'est Merleau-Ponty qui lui aura présenté une version délestée de ses hypothèques idéalistes et fondationnelles. Alors Ricoeur dira plus tard qu'il a voulu faire pour la volonté et toute la sphère affective, l'effort d'être, ce que Merleau-Ponty avait accompli pour le domaine de la perception. Ce qui peut être vrai toute son œuvre. Alors, Ricoeur n'ignorait sans doute pas, quand il travaillait à sa philosophie de la volonté, donc dans les années 40-50, que l'idée d'une phénoménologie délivrée de son idéalisme avait aussi été proposée par Heidegger. Mais Ricoeur avouera souvent lui avoir alors préféré Jaspers.
auquel il a consacré ses premiers ouvrages, hein, de 47 et 48. Mais dans son autobiographie de 1995, il dit avoir été sensible à la critique formulée par l'herméneutique heideggerienne à l'endroit de la phénoménologie. Mais à partir de quand l'a-t-il été ? La réponse à cette question a son importance si l'on veut comprendre son appartenance appuyée à ce qu'il appelle la variante herméneutique de la phénoménologie, qui forme le troisième moment de sa filiation. Ricoeur s'en est expliqué de manière nuancée et rigoureuse dans son texte de 1975, Phénoménologie et herméneutique, où il souligne à la fois la présupposition herméneutique de la phénoménologie et la présupposition phénoménologique de l'herméneutique. Il a fortement insisté sur ce tournant herméneutique de la phénoménologie dans d'autres textes plus autobiographiques, comme De l'interprétation, 83, et bien sûr cette autobiographie intellectuelle de réflexion faite en 1995. Mais cette version herméneutique de la phénoménologie, donc heideggerienne, a-t-elle décidé de son entrée en herméneutique ? Alors nous verrons que cela n'est pas très sûr. C'est que les textes très 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 précieux, et en partie autobiographiques des années 70, 80, 90, proposent une explication remarquable de la manière dont Ricoeur en serait venu à l'herméneutique. Il souligne avec un certain droit que cette entrée en herméneutique a quelque chose à voir avec le changement de méthode qui s'opère dans le second tome de sa philosophie de la volonté, Finitude et culpabilité. Dans le premier tome de la philosophie de la volonté, paru en 1950, où je le rappelle, le terme d'herméneutique n'apparaît pas une seule fois, Ricoeur avait livré une analyse heideggerienne de la volonté qui laissait de côté tout le problème du mal et de la culpabilité. Son analyse se contentait de décrire, dans un style husserlien, imprégné de Merleau-Ponty, Jaspers, Naber et Marcel, et des thèmes de la philosophie réflexive, les structures intentionnelles de la volonté, en faisant abstraction de leur actualisation empirique, que Ricoeur reléguait au second, voire au troisième tome de son entreprise. C'est en abordant en 1960 les thèmes de l'homme faillible et des lors du mal que Ricoeur en vient à souligner les limites de l'approche purement heideggerienne. C'est que le mal a quelque chose d'incompréhensible, hein, idée que Ricoeur a pu trouver chez Lachelier. Une heideggerienne ne peut en rendre raison, hein, car la voie de l'introspection psychologique, privilégiée par la phénoménologie traditionnelle, ne serait ici d'aucun secours. Le mal ne pourrait donc être compris qu'à partir des symboles et des mythes, notamment ceux de la chute adamique, de l'exil orphique de l'âme, de la théogonie et de l'expérience tragique, qu'ils l'ont mise en figure et qu'il faut interpréter. Alors, d'après les textes plus tardifs de Ricoeur, c'est là la raison pour laquelle sa phénoménologie serait devenue une herméneutique. Le tournant herméneutique de la phénoménologie aurait ainsi tout à voir avec la thématique propre d'une philosophie de la volonté et l'aporie que représente pour elle le problème du mal, le défi du mal. Le mal ne se laisse comprendre que par le détour de l'interprétation de la symbolique du mal, hein, plus particulièrement par l'interprétation des grands mythes que nous livrent les mondes grecs et bibliques. Plus fondamentalement, toujours selon ces textes, le tournant herméneutique de la philosophie de la volonté marquerait une limite de la phénoménologie elle-même et de la voie qu'elle privilégie, celle de l'introspection de l'ego.
L'ego ne peut se connaître que par l'interprétation des symboles, des mythes, des grands récits, dans lesquels s'est exprimé son effort d'exister. Donc l'herméneutique apparaît ici, tantôt comme un relais, tantôt comme une critique de la phénoménologie. Alors ces textes que vous connaissez tous, hein, dont je, en partie autobiographiques, de Ricoeur, proposent une explication lumineuse de la manière dont il en serait venu à l'herméneutique. Mais on peut se demander s'il rend pleinement justice au projet herméneutique de Ricoeur en 1960. Alors c'est afin de mettre en lumière certains de ses aspects constitutifs, peut-être un peu oubliés dans les reconstitutions plus tardives, que j'aimerais faire retour ce matin à la symbolique du bas. J'ai un petit print-out pour vous, quelques petites citations de Ricoeur qui vont peut-être vous faciliter la compréhension. Allez, c'est le même texte. Ah ben c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde pour une conférence à 2h30 du matin. Chez nous. Allez. Non, c'est pas les pas de... Alors, ce sont des textes tirés de Finitude et culpabilité, donc le deuxième tome de la philosophie de la volonté, dont je vais me servir pour rappeler avec Ricoeur la manière dont l'herméneutique se trouve effectivement introduite dans la symbolique du bas. Alors l'herméneutique joue un rôle de premier plan, comme vous le savez, dans la conclusion à l'ouvrage dont je parlais, qui s'intitule « Le symbole donne à penser ». Mais l'herméneutique fait sa première apparition dans la préface du premier tome, donc dans l'avant-propos pardon, du second tome de la philosophie de la volonté, donc dans un texte que vous avez ici sous les yeux. C'est le premier texte que nous allons peut-être lire ensemble, hein. Et je pense qu'il s'agit de la première apparition du mot herméneutique dans l'œuvre de Ricoeur. Je rappellerai peut-être tout à l'heure le contexte, mais je vous lis avec vous. Vous n'avez pas. Donc Ricoeur écrit. En même temps que l'on donnait une tête à ce livre, en faisant précéder la symbolique du mal par une élucidation du concept de faillibilité, on se trouvait placé devant la difficulté d'insérer la symbolique du mal dans le discours philosophique. Grande difficulté sur laquelle je vais insister. Ce discours philosophique, qui au terme de la première partie conduit à l'idée de la possibilité du mal ou faillibilité, reçoit de la symbolique du mal une impulsion nouvelle et un enrichissement considérable. Mais c'est au prix d'une révolution de méthode, soulignée par Ricoeur, représentée par le recours à une herméneutique. C'est la première apparition du terme chez Ricoeur, c'est-à-dire à des règles de déchiffrement appliquées à un monde de symboles. Alors, cette herméneutique n'est pas homogène à la pensée réflexive qui a conduit jusqu'au concept de la faillibilité. On esquisse donc les règles de transposition, de Soulignier et de Ricoeur, de la symbolique du mal dans un nouveau type de discours philosophique, dans le dernier chapitre de la seconde partie, le symbole de la pensée. Ce texte est la plaque tournante de l'ouvrage. Il s'agit de la conclusion.
et de facto de la dernière partie de l'ouvrage public. Or, ce texte, où il n'est pas question de phénoménologie, souligne très très justement, très utilement, que l'herméneutique a pour mission principale, en 1960, de résoudre le problème que constitue, je cite le texte, la difficulté d'insérer la symbolique du mal dans le discours philosophique. C'est qu'il n'est pas évident de soutenir que la philosophie puisse s'inspirer de manière crédible d'une symbolique essentiellement religieuse. Ne transgresse-t-on pas ici les frontières du philosophique ? Alors c'est précisément à ce scrupule que viendra répondre l'herméneutique. Sa fonction est donc de nous fournir des règles de déchiffrement, suivant la tâche classique de l'herméneutique sans doute, appliquées à un monde de symboles. Or, en associant l'herméneutique à des règles de déchiffrement, Ricoeur paraît se réclamer de la conception classique de l'herméneutique, et plus particulièrement de Deleuze, qui avait fameusement dit de l'herméneutique qu'elle était l'art d'interprétation des manifestations vitales fixées par écrit. Or, on pourrait en profiter pour souligner l'origine plus deleuzienne que heideggerienne de l'herméneutique de Ricoeur. Simplement, les règles qui intéressent ici Ricoeur, dans leur forme comme dans leur esprit, sont bien différentes de celles de Deleuze. C'est que ce dernier recherchait, à l'instar de l'herméneutique classique, des règles permettant de valider les connaissances des sciences interprétatives. Le rôle essentiel de l'herméneutique étant, vous connaissez ce texte de Deleuze, d'établir théoriquement, contre l'intrusion constante de l'arbitraire romantique et du subjectivisme sceptique dans le domaine de l'histoire, la validité universelle de l'interprétation, base de toute certitude historique. Alors, quand on lit attentivement le texte de Ricoeur, entre autres celui que vous avez sous les yeux, on se rend compte que Ricoeur est à la recherche de règles d'un genre tout différent. Il ne s'agit pas tant, ou moins, de règles d'objectivité, qui ont toujours préoccupé l'herméneutique, que de règles de transposition de la symbolique du mal dans un nouveau type de discours philosophique. Pourquoi faut-il de telles règles ? C'est que la symbolique du mal n'est pas homogène, dit Ricoeur, dans un texte qui rappelle le schématisme de Kant, à une philosophie réflexive. Il y a un hiatus entre la philosophie et le discours religieux, l'élément de la philosophie est celui du concept et de la raison, alors que celui du symbole relève avant tout de l'image qui interpelle davantage la sphère de la croyance et de la religion. Donc Ricoeur ne recherche pas des règles de validité, mais de transposition. Or, en quoi peuvent bien consister de telles règles ? D'une part, cela n'est pas très évident. D'autre part, il n'est pas sûr que Ricoeur lui-même, malgré sa promesse, les ait vraiment présentées. Elles n'en ont pas moins leur importance, car elles commandent, de toute évidence, la première entrée de Ricoeur en herméneutique. Et le fait que Ricoeur ne les ait pas livrés aide peut-être à comprendre le tournant ultérieur de son herméneutique, dont témoigne indirectement et négativement l'abandon du projet d'un troisième tome à sa philosophie de la volonté, devant proposer une poétique. Or, je veux ici savoir comment Ricoeur est entré en herméneutique. Or, bien sûr, la question que doit résoudre l'herméneutique se trouve abordée de front, quoique avec de nouveaux accents, dans la conclusion à la symbolique du mal, qui devait être, selon le texte que nous venons de lire, la plaque tournante du livre avant sa troisième partie. Alors, un hiatus se creuse, dit Ricoeur,
entre la réflexion pure du philosophe et la confession des péchés qui relève du discours religieux. Alors, le problème du dernier chapitre, hein, le symbole de la pensée, expression aussi empruntée à Kant, est celui de la juste compréhension des symboles religieux en philosophie. À plus forte raison, à l'époque moderne qui est la nôtre, pour laquelle ces symboles sont devenus problématiques. Ricoeur rejette ici deux possibilités, ou deux herméneutiques possibles. Premièrement, la philosophie ne peut pas renoncer à sa rationalité et devenir purement et simplement confession. Elle se renierait alors elle-même. Lachelier a raison, dit Ricoeur. La philosophie doit tout comprendre, même la religion. La philosophie ne peut s'arrêter en route. Donc la philosophie ne peut pas se transformer en confession. Deuxièmement, on ne peut soutenir non plus que le symbole recèle un enseignement dissimulé, qu'il suffirait de démasquer et qui rendrait caduque le vêtement d'image. Ce serait une interprétation qu'on pourrait dire analogique, allégorique, pardon, des symboles suivant l'ancienne tradition de l'herméneutique allégorique. Ricoeur opte pour une troisième voie, ce qui rappelle le nouveau Kant, qui sera justement celle de l'herméneutique, c'est-à-dire celle d'une interprétation créatrice de sens, à la fois fidèle à l'impulsion, à la donation de sens du symbole, les expressions sont de Ricoeur, hein, donation, et fidèle au serment du philosophe qui est de comprendre. Or, les termes décisifs ici sont ceux d'interprétation et de compréhension, qui préoccupent depuis toujours l'herméneutique. Mais le problème qu'il s'agit de résoudre est inédit pour l'herméneutique. Ce n'est pas celui, je le répète, des règles d'une interprétation correcte des textes, problème classique, mais celui de l'hiatus entre la confession et la raison. Comment intégrer à un discours philosophique un vocabulaire qui est d'abord et essentiellement religieux? L'aporie, aux yeux de Ricoeur, a tout à voir avec le fait que nous sommes les fils de la modernité, pour lesquels l'univers des symboles religieux a perdu de son évidence et auquel nous ne pouvons plus croire naïvement, comme le faisait la conscience mythique. La naïveté face aux symboles mythiques n'est plus possible pour nous, modernes. C'est que la modernité, avec sa conscience philologique et historique, nous a appris à voir les mythes comme des mythes, et non comme des récits de faits. Prométhée, Adam et le dieu babylonien Marduk ne sont pas des personnages qui ont vraiment existé. Dans son dernier livre sur l'âge séculier, mon collègue Charles Taylor a justement souligné que la perspective de la croyance dans la période moderne ou séculière qui est la nôtre ne peut plus être celle de la foi naïve. La foi moderne sait qu'elle n'est qu'une possibilité parmi d'autres qui l'entourent et dont elle est généralement prête à accepter qu'elles ont leur légitimité. La foi moderne ne peut être qu'une foi réfléchie, herméneutique, consciente de sa fragilité. Là-dessus, il y a un accord total entre Taylor et Ricoeur. Alors, la pensée du Ricoeur de 1960, se mettant à l'écoute des symboles, mais au nom de la philosophie, se sait dictée par cette constellation de la modernité. Une philosophie instruite par les mythes, écrit Ricoeur, survient à un certain moment de la réflexion et veut répondre à une certaine situation de la culture moderne. Ricoeur y insiste.
et je le ferai à sa suite, cette tâche de retour à la donne préalable du symbole a une signification précise maintenant, dit Ricoeur, à un certain stade de la discussion philosophique, et plus largement en liaison avec certains traits de notre modernité. Alors, en quoi consiste ce moment crucial pour la philosophie, a fortiori pour l'herméneutique, puisqu'il justifie son entrée en scène? Or, Ricoeur répond dans un texte fort, auquel je veux restituer toute sa force, c'est le deuxième texte que vous avez sous les yeux. Le moment historique de la philosophie du symbole, c'est celui de l'oubli et de la restauration. Oubli des hiérophanies, oubli des signes du sacré, perte de l'homme lui-même en tant qu'il appartient au sacré. Or, je commence par ce dernier aspect, car il dit quelque chose de très très puissant sur la modernité. Penser comme perte de l'homme en tant qu'il appartient au sacré. Ricoeur ne dit pas exactement qui il associe à cette modernité, mais chacun pensera bien sûr aux figures bien connues qu'il identifie à un désenchantement du monde, comme c'est le cas chez Max Weber. Or, Ricoeur dit quelque chose de plus que Weber. Non seulement souligne-t-il que nous vivons dans un monde désenchanté, ce qui est assez ennui et presque banal, il estime que ce monde équivaut à une perte de l'homme lui-même en tant qu'il appartient au sacré. Ce n'est donc pas une dédivinisation à la Weber, mais une déshumanisation qu'incrimine Ricoeur, consistant dans une perte de l'homme donc en tant qu'il appartient au sacré. C'est là une thèse très forte sur la modernité. Comme sur l'homme, bien sûr, l'anthropologie. Thèse très forte sur l'herméneutique et sur l'homme et la modernité, à laquelle l'herméneutique sera ni plus ni moins que la réponse. L'herméneutique sera la réponse à cette crise de l'homme, à cette crise de la modernité, qui se caractérise par la perte de l'homme en tant qu'il appartient au sacré. Or, si cela mérite d'être mis en évidence, c'est non seulement parce que l'herméneutique changera plus tard de vocation dans son œuvre, mais aussi parce que le dernier Ricoeur prétendra parfois que la question de la modernité ne l'a jamais beaucoup intéressé. C'est que, expliquera-t-il volontiers dans des textes plus tardifs et qui m'ont toujours intrigué, nous ne pouvons jamais savoir, dira Ricoeur, à quelle époque nous appartenons, notre temps ayant toujours quelque chose d'opaque. Ricoeur a ainsi dit dans ce qui est l'un de ses derniers entretiens, peut-être le dernier, paru dans le Cahier de l'Herbe en 2004. Ricoeur écrit, vous avez ce texte sous les yeux aussi, « Ceux qui sont habitués à me lire ont pu remarquer qu'il est très rare que j'emploie le mot modernité. Je parle de contemporain, mais je ne fais pas du moderne une catégorie avec un M majuscule face aux anciens. Je ne sais pas ce qui est moderne. » Il y aurait d'autres textes à cet égard. Donc, « Ceux qui sont habitués à me lire ont pu remarquer qu'il est très rare que j'emploie le mot moderne. » Alors, je ne sais pas si ceux qui sont habitués à lire Ricoeur ont l'habitude de lire la conclusion à finitude et culpabilité, mais c'est un texte qui avance une thèse massive, sur la modernité, pensée non seulement comme perte du sacré, ce qui est banal, mais comme une perte de l'homme en tant qu'il appartient au sacré. Alors, le Ricoeur de finitude et culpabilité a très certainement compris sa philosophie des symboles comme réponse, comme réplique à la modernité, ainsi éprouvée comme oubli de l'homme,
oubli des hiérophagies. Mais le problème persiste. Comment la philosophie peut-elle se recharger, l'expression de Ricoeur, hein, à partir des symboles religieux, sans renier sa nature? Alors l'entreprise serait sans espoir, notre Ricoeur, si le symbole était radicalement étranger au discours philosophique. S'il ne lui est pas étranger, c'est que le symbole est déjà dans l'élément de la parole. Il donne donc un langage. Par le symbole, l'homme reste donc de part en part langage. Et Ricoeur d'ajouter, ce n'est pas le plus important. Il n'existe nulle part de langage symbolique sans herméneutique. Là où un homme rêve et délire, un autre homme se lève qui interprète. Ce qui était déjà discours, même incohérent, rentre dans le discours cohérent par l'herméneutique. Alors le texte que je viens de lire est précieux parce que c'est la première, j'ai oublié de le mettre ici, mais bon, c'est le premier texte qui traite de l'herméneutique dans la conclusion à finitude et culpabilité. Texte important car il permet d'entrevoir un passage de la confession religieuse à la philosophie rationnelle. Le symbole est langage, or ce langage peut et veut être interprété pour devenir discours cohérent. Comment ? Ricoeur le dit très clairement, par l'herméneutique. Qu'est-ce qui caractérise donc cette herméneutique en 1960 ? Alors il est clair qu'elle ne peut plus être une reprise naïve de la conscience mythique. Car ce qui appartient en propre à cette herméneutique, écrit Ricoeur, c'est qu'elle demeure dans la ligne de la pensée critique et démythologisante. L'herméneutique est fille de la raison critique et historique, à laquelle il ne s'agit nullement de renoncer. Alors le grand pari de Ricoeur, et que cette rationalité critique, que c'est cette rationalité critique qui permettra à l'herméneutique de mieux s'ouvrir au message du symbole. Alors le motif plus tardif du grand détour par l'explication décapante, qui aide à comprendre mieux, se trouve ici préfiguré. Ricoeur écrit, sa fonction critique ne la détourne pas de sa fonction d'appropriation, je dirais plutôt qu'elle la rend plus authentique et plus parfaite. La dissolution du mythe explication est le chemin nécessaire de la restauration du mythe symbole. Alors ce sera là, vous le savez, un thème constant chez Ricoeur. Plus on démystifie, plus on critique, mieux on est à même de s'approprier. Et Ricoeur ne craint pas de dire dans ce contexte de cette herméneutique qu'elle est restauratrice ou récupératrice. Terme que Ricoeur regrettera sans doute plus tard et qui lui vaudront bien des critiques, fortiori dans le contexte iconoclaste des années 60. Évidemment, si le terme de restauration est miné, c'est qu'on lui accorde spontanément un sens politique. Qu'il n'a évidemment pas ici. Alors dans le symbole de la pensée, c'est en tout cas très très clair, hein, l'idée de restauration s'oppose à une interprétation réductrice. Restaurateur est le contraire de réducteur. Une interprétation qu'on trouve notamment dans la psychanalyse freudienne et avec laquelle Ricoeur s'était déjà longuement expliqué dans le volontaire et les volontaires. Ricoeur écrit dans la conclusion à Finitude et culpabilité, nous qui sommes de toute manière les enfants de la critique, nous cherchons à dépasser la critique par la critique, par une critique non plus réductrice mais restauratrice. Donc une critique de la critique, mais restauratrice. Alors l'herméneutique comporte donc une double face,
qui est en fait une gageure immense, constate avec raison Ricoeur. D'un côté, elle représente la pointe avancée de la critique, comme prise de conscience du mythe en tant que mythe, mais d'un autre côté, l'herméneutique moderne poursuit le dessein d'une revivification de la philosophie au contact des symboles fondamentaux de la conscience. Revivifier la philosophie, recharger la philosophie. Alors, Ricoeur est convaincu que les deux peuvent aller de pair. Alors, l'herméneutique, dont on notera qu'elle n'est pas présentée ici comme une variante de la phénoménologie, rendrait ainsi possible l'avènement d'une seconde naïveté. D'une seconde naïveté. Je cite un texte bien connu de Ricoeur. Si nous ne pouvons plus vivre selon la croyance originaire, les grandes symboliques du sacré, nous pouvons, nous modernes, dans et par la critique, tendre vers une seconde naïveté. Bref, c'est en interprétant que nous pouvons à nouveau entendre. Ainsi est-ce dans l'herméneutique que se noue la donation de sens par le symbole et l'initiative intelligible du déchiffrage. Ricoeur nomme volontiers les héros de cette herméneutique qu'il préconise. Et on peut y voir la descendance singulière, l'autre filiation dans laquelle s'inscrit son cheminement de 1960. On verra cependant qu'il ne s'agit pas toujours des auteurs que l'on associe plus couramment à la catena aurea, à la chaîne d'or du mouvement herméneutique. C'est ce dessin, déclare Ricoeur, qui animait Schelling, Schleiermacher, Dilthey, et aujourd'hui, en des sens divers, Leinhardt, van der Leuve, Eliade, Jung et Bultmann. Or, tous ces chercheurs étaient à la recherche d'une seconde naïveté, estime Ricoeur. Alors évidemment, chacun de ces penseurs mériterait une attention spéciale, une thèse de doctorat. Mais de tous les auteurs cités dans cette lignée, Schelling, Schleiermacher, etc., l'auteur le plus important pour Ricoeur paraît être Bultmann. Je le dis parce qu'il sera l'auteur le plus cité dans la conclusion, le symbole de la pensée. Le texte précis que Ricoeur citera de Bultmann sera son fameux article de 1950 sur le problème de l'herméneutique, dont je pense qu'il a eu une très très grande influence sur la pensée du Ricoeur des années 50. Alors l'idée principale que Ricoeur en retient de ce texte de Bultmann est que l'interprète ne s'approchera de ce que dit son texte que s'il vit dans l'aura du sens interrogé. C'est que, dit Ricoeur après Bultmann, la compréhension est toujours dirigée par une pré-compréhension de la chose sur laquelle elle interroge le texte. Dans toute compréhension, il y aurait un rapport vital de l'interprète à la chose dont parle directement ou indirectement ce texte. On voit le parti que Ricoeur espère en tirer, et d'autant que Bultmann était à l'époque le grand porte-étendard de la démythologisation, démythisation. Nous ne sommes jamais entièrement détachés des symboles que nous cherchons à interpréter. On ne les interprète jamais à distance, à distance critique. Nous vivons toujours dans l'aura du sens qu'il découvre. Or, Ricoeur ne souligne pas dans ce contexte que c'est une idée que Bultmann disait lui-même tenir de Heidegger.
Et Heidegger ne fait pas partie des champions de l'herméneutique que Ricoeur nomme dans cette évocation de sa filiation. Schelling, Schleiermacher, Delta et Bultmann. Heidegger n'est pas là. Ricoeur n'en parle pas moins d'un cercle de la compréhension, qu'il appellera même le cercle herméneutique. Dans la conclusion à la finitude et culpabilité. Mais les termes de ce cercle risquent de surprendre les lecteurs de Heidegger ou de Gadamer. On peut énoncer brutalement ce cercle de l'interprétation, ce cercle herméneutique, dit Ricoeur. Il faut comprendre pour croire, ce qui rappelle un peu Anselme, mais il faut croire pour comprendre. Alors c'est un cercle que Ricoeur entend à partir de Bultmann. On ne comprend la chose du texte, des symboles, que si l'on entretient un lien vital à la chose dont il parle, que si nous sommes concernés par cette chose, que s'il y a participation au sens. Ce n'est qu'en comprenant que nous pouvons croire. Mais s'il y a cercle, bien sûr, c'est que nous ne pouvons croire qu'en interprétant. L'herméneutique, la voie de l'interprétation, apparaît donc ici comme la condition du croire à l'époque moderne. C'est la modalité moderne de la croyance qui est à la fois expression de la détresse de la modernité et remède à cette détresse. Donc l'herméneutique est à la fois l'expression de la détresse de la modernité et le remède à cette détresse. L'herméneutique semble ici avoir pour tâche de rendre possible une nouvelle forme du croire, voire la survivance même du croire à l'époque moderne. Grâce à ce cercle de l'herméneutique, écrit Ricoeur, grâce à ce cercle de l'herméneutique, je puis encore communiquer au sacré en explicitant la précompréhension qui anime l'interprétation. L'herméneutique en reçoit une tâche inouïe, que l'on reconnaît dans le texte 4 que je l'avais sous les yeux. Ainsi, l'herméneutique, acquisition de la modernité critique, est un des modes, j'aimerais dire le mode privilégié, mais c'est un exemple, est un des modes par lesquels cette modernité se surmonte elle-même en tant qu'oubli du sacré. L'enjeu n'est pas mince, on a compris. Il s'agit de surmonter l'oubli moderne du sacré par l'herméneutique. À la fois expression de la détresse moderne et remède à cette détresse, l'herméneutique permettrait encore aujourd'hui de communiquer au sacré. Or, comment cela est-il possible? La préface à Finitude et culpabilité, le premier texte, avait promis de livrer des règles de transposition de la symbolique du mal dans un type de discours philosophique. Or, il ne sera plus directement question de ces règles dans la conclusion, le symbole de la pensée. L'accent y porte plutôt sur la seconde naïveté que l'herméneutique rendrait possible. Je crois que l'être peut encore me parler, non plus sans doute sous la forme précritique de la croyance immédiate, écrit Ricoeur, mais comme le second immédiat visé par l'herméneutique. Cette seconde naïveté veut être l'équivalent post-critique de la hiérophanie pré-critique. C'est là tout un programme dont on sait seulement qu'il n'a pas été poursuivi tel quel. Non seulement Ricoeur n'a-t-il pas produit les règles de transposition du discours symbolique au discours philosophique, promise dans l'introduction, l'avant-propos,
il n'a pas donné suite aux propos, au projet d'une troisième tome consacré à la poétique de la volonté. Au lieu de ce troisième tome, c'est un traité de l'interprétation, des interprétationnés, proposant un essai sur Freud, que Ricoeur publie en 1965. Ricoeur continue d'y associer l'herméneutique à l'interprétation des symboles, mais il n'opposera plus aussi résolument l'herméneutique restauratrice à l'interprétation réductrice de Freud. Bien au contraire, l'interprétation réductrice et la récollection restauratrice seront de plus en plus comprises comme deux voies complémentaires, celle du soupçon et de la confiance, essentielle à l'arc herméneutique. Alors, si je comprends bien l'itinéraire de l'herméneutique de Ricoeur, après 1960, il a effectivement de plus en plus insisté sur la complémentarité des deux herméneutiques, restauratrice et réductrice, au point d'en faire le pivot de sa philosophie herméneutique. Cette complémentarité était certes opérante en 1960, mais l'accent portait peut-être encore plus sur l'opposition des deux et la critique de la modernité. Après 1960, Ricoeur a davantage mis en évidence l'idée que le cogito brisé ne pouvait que mieux se comprendre à l'aide des lectures démythologisantes et décapantes des écoles du soupçon. Alors, Ricoeur a alors approfondi l'idée que le sujet en quête de compréhension de soi ne pouvait se comprendre que par le biais du langage, des symboles, des mythes, des récits et des objectivations de culture au sens large, mais Ricoeur n'a plus vraiment repris tel quel son ambitieux projet d'une herméneutique restauratrice ou revivifiante qui habiliterait à nouveau l'homme moderne à communiquer ou communier au sacré. En cela, reconnaîtra-t-il plus tard, la frontière entre la philosophie et la croyance n'était peut-être pas respectée. Le programme herméneutique de Ricoeur a donc subi d'importants remaniements après le tournant herméneutique de 1960, qui semble avoir lui-même fait l'objet d'une nouvelle interprétation dans les textes rétrospectifs des années 80 et 90. C'est que, après ce virage, l'herméneutique de Ricoeur a elle-même connu de nouveaux tournants qu'il faudrait suivre pas à pas au fil des grands traités d'interprétation que Ricoeur a fait paraître à partir de 1960 et dans lesquels il a élargi, mais aussi modifié, son intelligence de la tâche herméneutique en cessant peut-être de lui associer aussi directement, au nom d'une seconde naïveté, des espoirs immédiatement religieux susceptibles de contrer la carence de sens de la modernité. Il se pourrait cependant que par certains traits, Ricoeur n'ait jamais entièrement renoncé à sa première entrée en herméneutique, en ce que celle-ci rappelait quelque chose d'essentiel à propos de la philosophie elle-même et pas seulement à propos de la phénoménologie. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui retrace avec beaucoup de finesse la genèse du moment herméneutique dans la pensée de Ricoeur et qui, si j'en ai bien compris l'esprit, la place plutôt dans le rapport à une anthropologie ou un projet anthropologique et historique, retrouver l'homme, reconstituer un lien entre l'homme et le sacré que dans son lien à la phénoménologie. Alors, il nous reste une dizaine de minutes à peu près, et encore je vois large, pour les questions. Donc je donne sans plus attendre la parole à la salle et à d'éventuelles interventions. Oui. Mon nom est Larsen, je viens de Copenhague. Ça m'étonne que ce que vous racontiez sur Ricoeur et l'herméneutique, parce que l'herméneutique a existé
citant les religions juives très, très tôt, une manière de comprendre ce qui est écrit, et plus tard, dans tout le développement de la religion chrétienne, presque du commencement, et du juridique dans les Romains. Donc, c'est m'étonne qu'il n'y a pas eu de réflexion plus dans la tradition historique de comprendre le concept, mais c'était plus sûr de le constituer comme un concept philosophique en opposition de la phénoménologie. Non, il va de soi que l'herméneutique a une histoire plus ancienne, qu'il y a une herméneutique dans le judaïsme, dans l'Antiquité grecque et tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement la conception de l'herméneutique que Ricoeur présente. La première conception, dit de l'herméneutique, elle doit proposer des règles de transposition du discours religieux au discours philosophique, pour remédier à la crise de sens de la modernité. C'est une conception très très originale de l'herméneutique. Et à mes yeux, ça a été la première conception de l'herméneutique de Ricoeur. Il a un peu laissé tomber. En tout cas, dans ses termes, il n'y est pas revenu. Cela subsistait bien sûr, l'écoute du sens, l'attention à la référence, sont restés des leitmotifs de son herméneutique. Mais cette idée de règle de transposition de la confession à la raison, c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est ça qui m'est apparu. Et je pense que Ricoeur a même oublié cela, un peu oublié cela dans ses propres reconstitutions de son parcours. Et ça, c'est normal. Quand on refait son histoire, on oublie parfois des aspects. Mais scripta manent, les écrits demeurent. On peut voir qu'il y avait d'autres motifs à l'œuvre. Et ma seule intention était de les rappeler. Et bien sûr, les grands spécialistes de Ricoeur que vous êtes les connaissent. François Dresse. Merci Jean Panda pour ce bel exposé. Vous êtes le mieux placé pour nous dire, à ce moment d'émergence du programme herméneutique, quelle est la place que vous connaissez très bien de Gadamer. Parce qu'il y a ce rapport très 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 fort, au moment où Vérité et Méthode paraît, qu'introduira un Ricoeur en France, vous savez, est-ce que Gadamer a joué un rôle là dans ce moment émergent? Aucun rôle. Aucun. Aucun rôle. Aucun. Gadamer et Ricoeur se sont rencontrés pour la première fois en 1957 à Louvain, quand Gadamer y a donné les conférences de la chaire Cardinal Mercier sur le problème de la conscience historique. On le sait d'ailleurs d'une lettre de Gadamer à Ricoeur qui vient d'être publiée dans la revue Studia Philosophica. On a fait paraître la correspondance Gadamer-Ricoeur et... donc Gadamer ne joue aucun rôle. Vérité méthode et... vous l'avez ici, je peux peut-être faire circuler ici, vous avez la correspondance entre Gadamer et Ricoeur, et c'est là que c'est pas... il y a d'autres textes très très intéressants dans ce collectif, mais donc Gadamer n'a joué aucun rôle. Vérité méthode n'existait pas et Gadamer n'était pas encore associé à l'herméneutique. Mais ce qui est peut-être plus intriguant, c'est que Heidegger ne joue aucun rôle. Parce que Sein und Zeit existait, c'était le grand livre de la philosophie, le paragraphe 7 de Sein und Zeit met en scène une conception de la phénoménologie, infléchie dans un sens herméneutique, mais de cela, Ricoeur ne parle pas. Évidemment, il connaissait Heidegger, il avait lu Heidegger, mais... n'a peut-être pas porté autant d'attention qu'il l'aurait pu à ce paragraphe 7. Alors quand on lit ces textes aujourd'hui, c'est clair que
C'est là que se trouve l'hérésie de Heidegger par rapport à Husserl. Mais Heidegger n'est pas nommé. Mais Bultmann le sera. Bultmann qui est influencé, lui, par Heidegger. Très massivement. Mais pas Gadamer. Jean Grèche. Oui, merci. Je suis d'accord avec la façon dont vous exposez et aussi dont votre rigueur mettez en évidence la singularité de notre néolithique de Paul Ricoeur et ce qui évidemment nous oblige à nous intéresser aux différentes transformations que sa conception de la politique suscitera ultérieurement. Alors, pour ce qui concerne Heidegger, bon, peut-être faut-il aussi prendre conscience du fait que nous sommes aujourd'hui infiniment mieux lotis que Ricoeur à l'époque, dans la mesure où nous avons maintenant à notre disposition en langue allemande presque l'intégralité des cours que Heidegger donnait entre 1919 et 1923 à Fribourg et où il mettait lui-même en chantier l'idée d'une phénoménologie comme science originaire de la vie et qui désignait comme herméneutique de la vie fracticielle. Donc, à partir du moment où on voit la position que Heidegger défend dans un insight repose intégralement sur ce travail préalable, peut-être que la confrontation entre la musique de Ricoeur et celle de Heidegger peut être examinée sous un jour entièrement nouveau. Absolument. Parce qu'il y a aussi un Heidegger religieux. Ah oui, bien sûr. Celui de la phénoménologie la plus religieuse. Absolument, oui. Heidegger, lecteur de Schleiermacher, notamment, et d'Augustin, monsieur, ça vous le savez. Et effectivement, nous sommes mieux lotis que ne pouvait l'être Ricoeur. Je ne sais pas si Ricoeur s'est jamais beaucoup intéressé à ses cours de jeunesse de Heidegger. Est-ce qu'il a, vous le savez mieux que moi, est-ce qu'il a suivi de près ses publications dans le cadre de la Gesamtausgabe, du tome 63, l'herméneutique de la facticité des... Non, mais ce qu'on peut lui dire, enfin, de manière personnelle, quand il entreprenait la rédaction de la mémoire l'histoire de l'oubli, il m'a demandé où Heidegger a-t-il parlé de la mémoire et est-ce que dans le premier cours, d'accord, oui. Voilà. D'accord, donc il n'a pas suivi ça de très très près, disons, mais c'est compréhensible, parce que bon. Le rapport de Ricoeur à Heidegger est complexe, bien sûr, on le sait. Mais il y avait quand même le paragraphe 7 de Sein und Zeit. Comme je dis, Heidegger fait semblant de présenter une conception orthodoxe de la phénoménologie. Mais ce n'est pas le cas. Quand on le lit attentivement, c'est très clair que c'est une critique de Husserl. C'est ce que signifie sa conception herméneutique. Mais à mes yeux, c'est le premier tournant herméneutique de la phénoménologie dont on puisse parler. Avant Ricoeur, c'est le seul à avoir défendu cette idée. Il y a des Dilthayens qui vont parler de Misch, je ne sais trop qui, Speth, tout ça. Mais
Non, c'est curieux, le tournant herméneutique de Ricoeur est tout à fait différent. Les mêmes termes, mais ça n'a à peu près rien à voir avec le tournant herméneutique de Heidegger. Il est bien ciblé. Il y a du temps pour une dernière question, madame. La plupart du temps, quand ils lisent bien, ils sont justement gênés par cette importance du sacré. Ouais, bah gêné, c'est vrai. Et je voulais vous demander dans ce sens si définir la crise, la modernité, la carence de sens, on peut dire ça de diverses manières, par l'oubli du sacré, c'est pas déjà un présupposé qui vient dans l'homme de foi. Présupposé que Ricoeur abandonne en tout cas sa philosophie petit à petit. Ce qui expliquerait aussi de son esprit. Par exemple, qu'il essaye de voir comment les hermeneutiques peuvent être une recherche du sens par la narrativité, par la métaphore, etc. Dans ce sens-là, il devient de plus en plus en clair. Par rapport à son début, je dirais. Oui, c'est sans doute. Est-ce qu'on doit parler d'un abandon chez Ricoeur ? Je ne suis pas abandon, mais il devient de plus en plus rigoureux par rapport à son premier désir de restauration du sacré. Il devient plus prudent, peut-être. Plus prudent. Oui. Plus prudent. Oui, plus prudent. Mais ce que j'ai toujours remarqué chez Ricoeur, c'était qu'il laissait parler ses tripes dans les dernières pages de ses ouvrages. Alors, ce n'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres philosophes comme ça qui sont très, très, très prudents dans tous leurs ouvrages, font des grands détours et tout ça. Mais c'est vraiment dans le dernier chapitre, les dernières pages, hein, que on sent qu'il y a. Comment dire, on sent le vrai Ricoeur. D'ailleurs, parfois, il préfère ne pas les publier, comme dans Soi-même ou comme un autre, ou les publier à part, le dernier. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est un trait frappant chez Ricoeur. Et moi, j'ai le sentiment que ce dernier chapitre, le symbole de la pensée, qui devait être une plaque tournante, qui est devenue une conclusion. C'est tout le Ricoeur de finitude et culpabilité qui monte à la surface. Donc c'est pas l'exception, c'est vraiment l'essence. Et moi j'aime ça, c'est-à-dire que j'aime les philosophes quand ils laissent tomber les masques un peu, là, quand ils cessent d'être conciliants et qu'ils parlent en leur nom propre. Qu'ils avancent non masqués. Donne l'armati. Non, c'est. Mais il y avait toujours chez Ricoeur une espèce de pudeur à faire ça. Admirable par ailleurs. Mais bon. Bien, merci beaucoup. Nous avons pris un petit peu de retard, bon, c'est normal.